Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles sur Digital Congo. Bienvenue dans cette émission d'écoutage qui passe chaque lundi à pareille heure. Et aujourd'hui, l'actualité sera dominée par les Jeux Olympiques qui se déroulent du côté de Paris avec la participation de la République démocratique du Congo avec 6 athlètes, dont un a été déjà écarté dès le premier tour. Et ce soir, le casting n'est pas le moindre avec Jean-Pierre Taguima à ma droite. Salut et bienvenue. Salut, je salue vraiment. Votre présence dans cette chaise, ça me fait du bien et de vous voir. Et finalement, je pense que c'est un bon début. Je ne pense pas que cela peut faire de la jalousie à Gat. Ça nous arrange. Oui, ça m'arrange. J'espère qu'on va passer une bonne émission, de bonnes minutes d'évasion. Oui, c'est avec ces deux messieurs que nous allons vraiment débattre dans cette émission de sport au décryptage. De ce lundi 29 juillet 2024, il y a beaucoup d'actualités, je vous l'ai dit, avec les Jeux Olympiques qui se déroulent du côté de Paris. On va faire un point sur la participation de la République démocratique du Congo avec ses 6 athlètes et aussi du football avec l'ASVEL Club qui a présenté ses recrues. C'était ce dimanche au stade Tata Raphaël, mais aussi la préparation du côté de la Tanzanie de Maniema Union pour le tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF qui débute d'ici le mois d'août, mais aussi le tour puissant Mazembe avec quelques joueurs qui quittent l'effectif pour aller du côté de Maghreb. Alors, on va ouvrir ce sport d'écritage avec des Jeux Olympiques, Jean-Pierre Taguima, les Jeux Olympiques qui se déroulent du côté de Paris. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le vendredi dernier. C'était sur la Seine, une cérémonie, tant apprécié par beaucoup de sportifs, puisqu'il y avait du spectacle avec les figures emblématiques, notamment Zinedine Zidane, Raphaël Nadal, Jamel Debbouze, Céline Dion et tant d'autres. Est-ce que vous attendiez à cela? Moi, je pense que c'est toute une ribambelle des superlatifs pour finalement qualifier cette cérémonie. Justement. Parce qu'il y en a qui parlent d'extraordinaire, grandiose, excellent. Finalement, une sommation de tout pour faire de ces Jeux de Paris des Jeux historiques. Franchement, tout a été mis en place, tout a été mis en œuvre pour que la cérémonie soit totale. Et vous avez dit, il y avait du spectacle, il y avait la présence, je voudrais ici parler du Grand P, avec des invités, j'allais dire des hautes personnalités, des chefs de gouvernement, chefs d'État. Et donc, tout était fait pour que la fête soit totale. D'abord, c'est inédit d'abord la cérémonie elle-même, parce que contrairement à ce qui se passe par d'habitude, la cérémonie se passe généralement dans des stades. Mais ça a été sur un fleuve, c'était formidable. Avec un nombre impressionnant de bateaux qui amenaient chacun, soit 2-3 délégations, selon Paris. Félicitations au comité d'organisation. Pour ne parler que de ça. Il faut rajouter que dans l'histoire des Jeux, ça a été une stratégie de faire à ce qu'elle renoue avec la scène seulement à travers les Jeux Olympiques. Ça a mis encore plus de lumière sur ces Jeux. Et que donc, du point de vue événementiel, oui, les Français, ils ont réussi. J'étais en train de dire que ces Jeux ont la particularité d'être les premiers
à être organisé, la cérémonie à être organisée en plein air, parce qu'à toutes les fois c'est soit dans un stade, soit dans une salle, mais là ça a été fait en plein air, ça a été vraiment de grande envergure, et on sent, quand on parle de pays développés, c'est aussi cela, on sent qu'il y a de la différence, et surtout que c'est un événement qui a mobilisé plusieurs personnes à travers le monde. Quand vous avez plus de... Oui, j'ajoute la présence de plus de 100 chefs d'État qui étaient présents à Paris à l'occasion de ces Jeux Olympiques, alors comprenez la grandeur de l'événement. Moi, je pense que la grandeur de l'événement, c'est également les moyens qu'on y a mis. Il faut, quand on veut quelque chose, on s'y investit et on met les moyens. Je ne compare pas ça aux 9e Jeux africains, les 9e Jeux de la francophonie, mais je pense qu'avec 4 ans durant à préparer ça. Et il y avait, comme il le disait, une sorte de discrétion autour de tout ce qui se passait. C'est vrai que les musiciens... Vraiment, on a des très bonnes conditions. Il y a quand même... Félicitons quand même aussi le comité d'organisation. Mais on va entrer quand même dans le... Je voulais affirmer aussi la polémique qui en est sortie. Je crois que c'est le côté anti-chrétien qui était évoqué à travers ces jeux. On pouvait voir des images où on essaie de reprendre la sainte scène, la scène, c'est-à-dire les dernières épreuves de Christ pour les chrétiens, et ça, on essaie de le faire cela, mais d'une manière qui n'a pas plu aux chrétiens. Je ne sais pas c'était quoi l'idée derrière. Le message à transmettre. Je ne sais pas c'était quoi le message à transmettre directement, mais je crois que c'était une stratégie juste pour faire parler encore plus de ces jeux. Et dans ce sens, toute œuvre humaine n'est pas parfaite, et puis on n'a jamais réuni l'humanité. On ne peut pas réunir. Au-delà il y a toujours un camp un peu favorable à un autre intervenant. Mais au-delà de tout, c'est une cérémonie qui a été un peu impeccable. Au-delà de tout ce qu'on peut dire par rapport à la chrétienté, c'est que la sainte scène qu'on a essayé de présenter. Alors, on va entrer dans le vif, c'est la prestation des différents athlètes qui sont sur place, notamment ceux de la République démocratique du Congo, la RDC, aligne 6 athlètes dans quelques disciplines différentes. D'ailleurs, ce sont là les 6 athlètes. Il y a Marcela Sakoubi qui va d'ailleurs entrer en lice à partir de ce 30 pour les 16e des finales. Nous sommes là en boxe chez les dames de moins de 57 kilos. Et le même jour, il y aura, non pas le même jour, mais le premier, ça sera le tour de Brigitte Mabi qui est exemptée du premier tour pour combattre en 8e des finales contre la Thaïlandaise Suan chez les 66 kilos. Nous sommes toujours chez les dames et la RDC alignera ses derniers athlètes. Ce sera le 1er août avec la natation ainsi que l'athlète. Alors, le premier à compétir pour la RDC, c'est Arnold Kisoka, le judoka, qui a été débarqué au premier tour parce que japonais qui a été israélien, techniquement supérieur, fort mentalement et présent dans le combat. Est-ce que Jean-Pierre Kadima, on peut dire que Arnold Kisoka ne s'était pas bien préparé pour affronter ces jeux? C'était l'un des espoirs vraiment de la République démocratique du Congo en termes de médailles. Et il est allé voir le ministre des Sports, moi je m'appelle. Il avait même eu des problèmes avec Ilunga Nyong'o. Il a été reçu même sur ce plateau. Oui, justement. Mais qu'est-ce qui a fait que les moyens sont mis? Et je me demande si c'était une délégation de 30 personnes, qu'est-ce que le gouvernement allait faire? Si pour 6 personnes, on a déficit, ça posait problème. Dans cette délégation d'environ 30 personnes, où il y a moins d'athlètes que les officiels. Pourquoi ne pas se battre pour faire voyager les athlètes, les mettre dans des conditions où ils obtiennent très facilement, parce qu'il ne faut pas attendre que ce soit la solidarité olympique qui vous envoie des invitations. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les potentiels boxeurs ou boxeuses, les potentiels judoka ou nageurs qui peuvent se battre, escalifier, gagner en termes de ranking, escalifier normalement pour ces JO? C'est un problème qui s'est résolu. On ne peut pas vouloir une chose, c'est son contraire. Vous voulez les résultats, Manier, aujourd'hui, on va d'ailleurs y arriver. Vous avez besoin des résultats, mettez les moins conséquents. Ce n'est pas la République démocratique du Congo qui peut envoyer à ces jeux 6 personnes. Oui, Arnold Nzoka, lui qui était le seul espoir en judo pour la République démocratique du Congo. Joseph Bahati, vous l'avez suivi lors des 9e jeux de la francophonie, il a été médaillé d'or pour la République démocratique du Congo. Est-ce que le fait de rappeler cette médaille d'or-là, d'un point de vue technique, et là, à rajouter que pour le judo de la République démocratique du Congo, les arbitres et les encadreurs ici ne se concentrent pas trop sur
le jeu au sol. De mise à niveau pour permettre à ces arbitres d'être à jour. Non, non, cher ami, moi je balaye ça du revers de la main. Non, d'abord ça c'est un argument, c'est malhonnête s'il est dit. C'est malhonnête ça part. On ne peut pas ne pas être un bon... Non, non, mon cher ami. Oui, mais c'est malhonnête. Pourquoi il vient justifier son élimination par le fait qu'il avait des problèmes au niveau de l'épaule? Pourquoi il ne l'a pas dit avant? Il ne faut pas attendre l'élimination pour venir raconter des histoires. Mais et puis c'est quoi? Le judo, il est universel, mon cher ami. Tu penses que, le judo congolais a des spécificités, des particularités pour ne pas combattre au sol? C'est quoi cette histoire qu'on vient faire couper de manière crue aux gens et on dit non, voilà, parce qu'il a été éliminé, c'est normal, il n'y a pas eu de bonne préparation. Il ne faut pas être malhonnête pour commencer à évoquer. Si tu as une blessure au mollet, tu ne peux pas jouer au football. Alors, si on a un problème de petits soucis de santé, on peut avoir des petits soucis de santé, on les dit. Ça, ce n'est pas. Moi, je condamne, je ne les condamne pas. C'est un bon judoka, ce gars. Il n'a pas réuni les moyens de bonne préparation. Voilà ce qui est arrivé. Le fait d'être à Paris pendant un mois ne lui concède pas le droit de penser qu'il ne peut pas être battu par un gars qui se préparait durant une année. Est-ce que la République démocratique du Congo est sérieuse? Si on est sérieux, qu'on commence à préparer nos athlètes. Un petit peu abordable par rapport au jeu des Tokyo. Est-ce que il y a encore de l'espoir où la RDC va faire le figurant? L'espoir figurant, ça on va en parler meilleur à Marseille. Est-ce qu'il est vrai qu'elle a des atouts majeurs? Elle a de l'expérience, elle a déjà été aux Jeux Olympiques, elle était à Tokyo en 2020. Et que partant de cela, elle peut faire quelque chose. On va attendre pour voir. Alors si la RDC fait le figurant ou la figurante lors de ces Jeux Olympiques, je crois que oui, parce que la RDC, ça reste un pays de plus de 5 millions d'habitants, une population généralement jeune, des jeunes pétris de talent, mais quand... Pour les Jeux Olympiques, vous ne partez qu'avec 6 athlètes, c'est pour espérer avoir combien de médailles. On va se mettre d'accord quand même que là, on n'est pas parti pour faire la meilleure prestation d'une nation lors des Jeux Olympiques. Voilà. On y va effectivement, comme un pays, on est représenté, mais ce n'est pas fameux. La RDC n'a jamais vu de médaille olympique. Pas même une en bronze. On retient. Et pour la fois-ci, je ne pense pas que ça soit la bonne pour briser ce... Il faut attendre 14 ans, hein. Et pour préparer sérieusement, je vous l'ai dit, je n'ai pas l'air de blaguer. Bon, non, à un moment, sois sérieux. Dans cela, vous dites, non, écoutez, cette fois-ci, l'adversaire semble probable, abordable et tout ça. Ça vous fait 4 ans, monsieur. Est-ce que vous connaissez le niveau de celles que vous appelez abordables? 4 ans, ce qu'elle s'est mise au travail. Oui, c'est vrai, peut-être qu'elle a eu la malchance de tomber sur la championne du monde à l'époque, à Rio. En 2020, et c'était pas facile, et puis c'était une première expérience, elle allait goûter aux délices des Jeux Olympiques. Maintenant, avec tout ce qu'elle a pu accumuler comme expérience sur les continents, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est une médaille d'or au championnat d'Afrique des Nations, et que ses performances au niveau est là, il faut féliciter le général Mouyoyo quand même, en dépit du fait que le gouvernement soutient d'une manière ou d'une autre la boxe. En tout cas, il est arrivé qu'au dernier article, par exemple en Thaïlande, c'est le Mouyoyo qui s'est pris en charge avec ses pugilistes. Cette acquisition d'expérience, je pense que ça peut aider dans cela à passer peut-être le premier tour. Mais je suis d'accord avec Bati quand il dit qu'il ne faut pas attendre une médaille. La délégation égyptienne, c'est plus de 100 personnes, monsieur. Il ne faudra pas attendre une médaille, mais quand même le rendez-vous est pris pour ce mardi à partir de midi. Et Marcela Sakoubi va affronter l'Uzbek 6 Toa, ça sera à moins de 57 kilos. On va quitter le chapitre des Jeux Olympiques pour parler football avec la présentation des joueurs de l'ASV Club. C'était ce dimanche au stade Tata Raphaël, le club qui a présenté toute une pléthore de joueurs nouveaux qui intègrent cette équipe de Kinshasa. Est-ce que cette communion va se faire suivre avec les victoires sur terrain? Ou c'est juste une présentation pour dire au public que nous avons acheté des joueurs, Jean-Pierre qui s'élance, Jean-Pierre Bahati. Bon, moi je pense que ce que fait Mamadou Diaby, c'est pas mal. Amadou Diaby, j'ai massacré son nom malheureusement. Amadou Diaby, ce qu'il fait, c'est pas mal. Il avait promis d'acheter parce qu'il a trouvé que l'équipe avait des petits problèmes, des petits soucis au niveau administratif. Il n'était pas question d'acheter à l'époque des joueurs, il fallait attendre. Même l'arrivée de Mbombo, il avait signé, il s'entraînait, il ne faisait pas de sa parution officielle. Mais là, c'est arrivé, c'est plus
je sais pas, des 15 joueurs qui ont été présentés hier au stade Tata Raphaël en présence de plusieurs sympathiques sympathisants et fanatiques de l'Aïssa Club. Maintenant, les détails, les fonds, ce n'est pas ça qu'on attend. Les fonds, on attend les résultats. C'est bien, ils ont énormément de conseils pour les financiers. Je crois qu'il n'y aura pas de sensationnel et que le poids de ces joueurs va beaucoup jouer dans la réalisation des résultats du rêve qu'on attend de l'Aïssa Club. Voir aller loin dans la Coupe de la Confédération. C'est peut-être ça qu'on attend. Le reste, c'est normal, c'est une cérémonie comme on avait honteusement accueilli Cristiano Ronaldo dans les Émirats Arabes Unis. Par rapport à l'effectif, voilà, qui a, c'est presque l'ensemble de l'ossature qui est parti, presque l'ossature de la semaine dernière qui a été libéré. Et là, on doit recommencer à zéro. Et la Coupe de la Confédération, c'est pour bientôt, d'ici le mois d'août. Est-ce que le club va nous montrer une équipe solide ou ça sera une équipe hétéroclite? Hétéroclite. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un projet qui a été initié par Mamadou Diaby. Je crois que la saison dernière, c'était une saison d'observation. Il y a cet aspect majeur qui s'est rajouté, le fait que Veklub est maintenant recruté. Mais bon, il y a des choses qui sont évidentes dans le football. Quand vous commencez avec des joueurs qui viennent tous d'arriver, ben, la cohésion elle n'est pas automatique. Par exemple, en termes d'automatisme, est-ce qu'il va avec? Il faut un peu de temps à attendre pour voir que, si la mayonnaise va vite prendre. Mais bon, Veklub nous a parlé le passé, fait montre d'une certaine résilience, c'est-à-dire cette capacité-là à ramener des joueurs et à faire une saison qui soit bonne. On espère que ça va être le cas ici. On ne va pas trop rentrer dans le côté technique parce que bon, on espère qu'il y a de professionnels, des entraîneurs qui sont là. Il y a Raoul Chourou qui est très expérimenté, notamment. Je crois qu'il est d'un apport considérable dans la préparation et surtout l'intégration, l'acclimatation de ces nouveaux joueurs de l'ASP. Donc, de ce point-là, on va attendre de voir ce que ça va nous représenter sur le terrain. Mais espérons aussi que ça va être meilleur que ça a été la saison dernière. Alors, au niveau de la cérémonie, j'oubliais aussi d'épingler cela. Je crois que l'idée première, c'est de remettre cette communion, en fait, cet engouement autour de l'équipe de l'AS Vita Club, c'est-à-dire ces fanatiques souvent déçus, surtout avec les prestations de Veklub la saison dernière, de leur dire, bon, écoutez, je suis là, je suis le président, les choses de la saison passée ne vont plus se reproduire cette saison-ci, et que donc à toutes les fois que vous avez l'occasion d'accompagner Veklub, n'hésitez pas, venez. Oui, mais ces choses-là, c'est la prestation de l'équipe sur terrain, j'aime bien. Oui, justement, parce que la relation. Justement, la relation entre le public et les joueurs, c'est les résultats. Encore faut-il qu'ils soient meilleurs. C'est vrai que le public est trop exigeant, surtout les clients, ils sont trop exigeants. Deux matchs après, il n'y a pas de bons résultats. Ça fait jaser quelque part. Le foot, c'est toujours. Et c'est, oui, malheureusement, c'est cruel. Mais il ne faut pas tout de suite, c'est comme il le disait, la mayonnaise ne prend pas deux premiers matchs, il faut attendre. Mais maintenant, je pense qu'il reste un peu de temps, si réellement on reste dans la logique d'une saison sportive qui s'ouvrait, je ne sais pas, le 1er août et quoi. excusez, tous ces temps, ils vont pouvoir s'entraîner ensemble et que la jonction va peut-être être très vite, va être retrouvée très rapidement, je crois, parce que les joueurs. Ils ne sont pas en tout cas. Non, attends. Les clubs comme le Veklub, comme Veklub DSMP Mazembe, c'est pas, mon cher ami, on ne prend pas les joueurs qui viennent faire la banquette. Ils viennent pour jouer, qu'on est les meilleurs d'eux-mêmes. C'est vrai que, ici, on ne sait pas les comprendre. Toi, tu es un journaliste professionnel, tu sais que les résultats, c'est au fil du temps. Tout de suite, le public va dire les résultats, plus que la Ligue des Champions, c'est la Coupe de la Confédération, c'est déjà de moment à l'autre. Est-ce qu'il ne fallait pas profiter de cette occasion pour essayer de parler au public que nous avons acheté les joueurs, mais il faut attendre un peu pour voir les résultats. Oui, il fallait un discours dans ce sens. Il faut un discours dans ce sens. Les gens trouvent ça bizarre, mais il faut expliquer, il faut dire aux gens, voilà, les gens sont là, donnez-leur le temps. Mais apparemment, ils ne partagent pas votre avis. Je pense que c'est un propre technicien. C'est le seul technicien qui savent que non, il y a ceci, il faut du temps, il faut être vraiment professionnel. Mais après la cérémonie, tiens, comprenez aussi le côté populiste.
C'est-à-dire, nous avons les joueurs, on va présenter tous ces joueurs comme les meilleurs, qu'ils soient pour chaque poste. Et c'est ça l'objectif d'une cérémonie, comme celle-là. Voilà. Mais si le club a présenté ses recrues, Maniema, par contre, pour finir la préparation du côté de la Tanzanie avec quelques matchs amicaux sur place, d'ailleurs, le tout dernier a été s'est soldé en faveur de l'équipe de Kinou sous la note des 3 buts à 0. Maniema qui prépare le préliminaire de la Ligue des Champions, ça sera à partir du 16 août prochain, mais le premier match ne va pas se jouer en Tanzanie comme prévu, ça sera du côté de la Zambie, puisque l'équipe qui va recevoir Maniema n'a pas un stade homologué par la CAF, ça va se jouer du côté de la Zambie, et Maniema se trouve pour l'instant en Tanzanie, et Kimoto se plaint par le fait que le championnat traîne, et ça risque d'handicaper son équipe. Heureusement qu'il anticipait. Il est aussi devant Sanico, c'est déjà bien pour lui. C'est vrai, il aurait voulu que l'équipe soit imprégnée, soit totalement impliquée dans l'ambiance du nom de championnat. Comme ça lui permet en même temps de préparer le championnat de la Ligue nationale de football et les interclubs de la Coupe de la Confédération. Mais non, je pense que c'est une équipe qui se comporte plutôt bien dans la sérénité, prépare loin des bruits des Kinshasa. Et ça lui donne la possibilité d'être plus concentré. Et le fait d'évoluer, par exemple, pour le tout premier match sur un terrain que j'appelle neutre, parce que là, c'est en Zambie, c'est pas en Zimbabwe. C'est vrai que c'est des pays voisins, ils pourront toujours se déplacer en masse. Mais c'est déjà un avantage aussi à l'ensemble psychologique du fait de jouer, contrairement à cette équipe. Maniema a déjà voté au délice d'une compétition africaine. Et maintenant, reste que cela puisse se concrétiser en termes du travail qui aura été abattu au niveau de la Tanzanie. Et Maniema n'a pas pris beaucoup de joueurs, il a juste injecté quelques 5 joueurs dans son ossature, c'est déjà quelque chose, parce qu'il ne faut pas prendre recruter les joueurs, il faut en prendre qui sont valables et qui peuvent apporter une touche à l'équipe. Mais il y a des critiques qui ont suivi ce recrutement, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil au-delà des frontières de la RDC, et si le résultat ne suit pas, est-ce que Kimoto sera pardonné par Je peux me permettre, avant que Badi ne prenne la parole, allez-y, je peux me permettre de répondre à cette question, mais la critique. Oui, c'est bien de jouer, de prendre au-delà de nos frontières. C'est ça qu'Amadou Diaby a fait, mais tout le monde critique ça, diversement ici. Non, il ne fallait pas faire ce mélange avec le... Mais parce que Beckham en a pris où, ici? Non, si Beckham ne l'a pas fait, il n'est pas dit que Maniema aussi ne doit pas le faire. Non, oui, mais pourquoi vous condamnez Maniema? Je ne dis pas que c'est le modèle à suivre. Mais attends. Maniema Niou a recruté selon le besoin de son équipe. Kimoto pense qu'au pays, il y a quelques joueurs qui sont... Ah, donc le club là, ne l'a pas fait selon le besoin. Ça dépend de ce qu'il entend par là. Ça dépend. Non, je ne dis pas que le club... Attends, Raoul Choumou, qui fait partie du staff technique, c'est un très bon technicien qui connaît très bien les méandres du football congolais. Peut-être qu'ici, il n'en a pas trouvé. Et que Maniema Niou a trouvé à Bukavu, tout ça. Votre réaction rapidement par rapport aux critiques de ceux qui pensent qu'il fallait aller au-delà des frontières. Je pense qu'il y a une certaine intelligence dans la façon de recruter de Maniema Niou. Parce que moi, je ne vous dis pas, il y a le joueur Moussinga, Rachidi, l'ancien de Darien Kouyoumoutera. Mais pour moi, c'est l'un des meilleurs ailiers du championnat de la Ligue d'Afrique pour l'instant. À toutes les fois que je regarde le match d'arrivée, je me dis, le joueur, il a quand même quelque chose en plus. Et le fait que Maniema Niou les prix, pour moi, je pense que c'est un sacré joli coup pour cette équipe. Ils sont parvenus à garder des faits qui tombent là, qui était un des avant-centres très prolifiques la saison dernière, comme c'est le cas même sur dans l'histoire récente, on va dire même du championnat congolais. Je crois que ne fût-ce que ces deux joueurs-là, ça balaye toutes ces critiques aussi que le football, c'est pas dans la boue, c'est sur le terrain. On va attendre, ils sont en train de se préparer de manière sereine. Il y a une saison, Maniema Niou était, comme c'est le cas encore, la première équipe à commencer la préparation de sa saison. Là, c'était au centre technique de l'Ankova. Maintenant, c'est ils ont commencé avant Bassembe, avant Vekleb, avant Lukopo et le reste. Et que par la suite, s'il y a des résultats qui suivent, ça doit être très logique de la part de Papi Kimoto, qui, quand vous l'entendez, vous comprenez qu'il y a une certaine confiance, une certaine assurance qui lui sont données par le management de l'AS Maniema Niou, présidé par le général Tango Faure, qui est un fin connaisseur, on va dire encore. Le coordonnateur. Non, je ne sais pas trop, mais ce que je sais, c'est que c'est un fin connaisseur du football congolais. Il connaît les méandres, il connaît comment mettre ses couleurs à l'aise.
Jeunesse, et c'est le cas pour aussi qu'il y a de moi. Je comprenais aussi que Mané Maïnon fait sa préparation dans les locaux de Young Africans. Alors là aussi, c'est... Oui, vous pouvez vous permettre dans les locaux du Real, si là vous faites aussi, pas ce n'est pas... Là aussi, c'est... Ça demande l'aspect moderne du football, en fait, le partenariat, l'ouverture, les relations publiques. Et de ce côté-là, c'est... Oui, mais Mani Maïno, c'est une équipe qui a traité de très bonnes relations avec les Yangas. Même avec toutes les équipes de la RDC, on oui. voit Mani Maïno les joueurs aller dans Mazembe, ouais. club. Oui, mais justement, parce que nous parlons de ces interclubs, parce qu'il faut aussi dire un mot sur ce qui se passe aujourd'hui. Autour du dossier du Denis Bonga. Nous allons y arriver avec le dossier Loupopo qui a d'ailleurs repris le service cet après-midi. Nous sommes là à Lubumbashi, Loupopo qui a reconnu le staff technique qui était dirigé par Mohamed Magatouba, secondé par Bertin Mapou. Donc c'est tout le staff qui a été reconnu, mais pas les mêmes joueurs parce qu'il y a des départs, il y a déjà des départs, notamment celui de Dieu Béni Ndongala qui crée la polémique au niveau de Lubumbashi. Il a quitté le propos pour signer chez les Combos. Il est déjà actuellement au centre de Fetouk avec le tout puissant Mazembe. Et on se dit, Mazembe a joué un sale jeu du côté de le propos en prenant ce joueur frauduleusement parce que selon Donald Mulombo, il dit que le joueur avait un contrat avec le propos de 5 ans. Bon, je ne maîtrise pas trop le meilleur de ce dossier, mais je me dis que si Mazembe opère ses recrutements selon les procédures administratives, il n'y a pas de problème. Parce que le contrat a été même validé, ou je peux dire, par la FECOFA. Par la Fédération Congolaise de football. Homologué, je ne sais pas si le terme. Est-ce qu'au niveau de l'AS, au niveau des Loupopo, ce n'est pas un petit problème interne qu'ils n'ont pas su gérer avec le joueur, peut-être, un peu qui partent. Parce que je ne vois pas quand même, je ne suis pas avocat de Mazembe, mais je ne vois pas, quand je regarde le secrétariat quand même chevronné de Mazembe, faire des trucs. À peu près, non. Je les vois quand même dans une logique comme ils l'ont fait, comme Loupopo l'a fait, en prenant Miché et Patou Kabamou pour venir à Loupopo. Mais Loupopo a quand même échoué dans le dossier Kizoubi. Oui, là c'était quand même un truc parce que. Non, Kizoubi d'abord, c'est un confusionniste, ces joueurs. C'est un confusionniste. Moi j'ai vu ce qu'il a fait aux gens de la jeunesse sportive au Bazamon. Il est en train de jouer un peu pas bien. Je lui conseille d'ailleurs de bien poursuivre sa carrière au Maroc. Mais tout en étant honnête. Il ne faut pas opposer les dirigeants comme il l'a fait depuis longtemps. Pour revenir à ce dossier de Loupopo, je pense qu'il est question de se mettre d'accord. Si Mazembe a respecté les procédures, il faut laisser les joueurs. Vous savez, c'est difficile de gérer un joueur qui n'a plus besoin de jouer pour vous. Il peut rester là parce que vous le voulez, vous le pensez, mais il ne fait pas une bonne saison. Tout à fait. Donc c'est bien peut-être déranger ça, Damien. Parce que maintenant, c'est des guerres d'acquisition, des communiqués contre les communiqués dans les villes. Alors, qui dit présent ce dossier? Est-ce que c'est Loupopo? Est-ce que J.P. Ognez était présent de Trinité? Est-ce que c'est Mazembe? Ou c'est le joueur qui dit qu'il avait un contrat? Ce qui est vrai, que autour de ce dossier, j'essaie de le suivre. Je suis à la fois les propos de Ognez, le président de Trinité, qui fait office de manager du joueur. Du joueur. J'ai suivi les propos de Nam Longo qui s'en est pris, en tout cas de manière verte, à Frédéric Kitengue. Et puis j'ai suivi le joueur, le joueur lui-même. Alors, je me fie aux propos du joueur. Il dit qu'il n'a pas signé de contrat de 5 ans avec le FC Saint-Éloi. Est-ce qu'il a brandi le contrat d'une saison qu'il a en train de faire à Lyon? Une saison, la saison qui venait de se passer, il était en prêt à Loupopo. Il était en prêt à Loupopo, il est parti au Congo-Brazzaville, ça n'a pas bien marché, il est rentré. Après, à la suite, il a signé pour le tout-puissant Mazembe. Je pense que c'est comme cela que ça s'est passé. Mais partant des propos que moi je suivis, je suis plus tenté de dire, pour ne pas trop parler, que Mazembe n'a pas tort sur base de ce que moi je suis. Parce que j'ai vu le document qui est brandi par Trinité, je pense, avec le visa, c'est ça? Donc, est-ce qu'il faut appeler ça homologation de la Fédération Congolaise de Football Association? J'ai regardé pour Loupopo, il n'y en a pas. Et quand le concerné lui-même, le joueur, vous dit qu'il n'a pas signé de contrat avec le FC Saint-Éloi Loupopo, alors qu'il y a un document qui existe. Vous vous fiez au propos des joueurs? Oui, je me fie au propos du joueur parce que c'est lui. Parce que j'ai beaucoup entendu ce genre de propos. C'est lui le concerné. Moi, je me dis que c'est lui le concerné. Mais il était dans la fausse. Moi, je le suis. Je pense que les deux cas sont différents. Moi, je suis le joueur.
j'ai l'entends jurer. Il dit qu'il n'a pas signé de contrat avec le Gopo. Je me dis, bon, là, je sais que Mazembe n'a pas du tout tort, mais j'encourage toute démarche visant à faire éclater la vérité. Oui, et j'encourage la démarche visant à mettre les deux parties autour d'une même table. Oui, mais le dossier se trouve déjà au niveau de la FIFA. Oui, mais si ça se trouve au niveau de la FIFA, tant mieux, parce qu'il y a les tribunaux qui peuvent répondre à tout ça. Mais lui, là, on ne peut pas parler. Les joueurs s'entraînent en traitant déjà avec le groupe. Oui, parce qu'il a un contrat. Dieu béni. Oui, ça, déjà. Ça c'est juste une formalité. Si parce qu'on a vu Odiel Mawahou aussi s'entraîner avec le propos et après il a regagné le propos. Mais on va attendre voir, mais il y a un côté sale en fait autour de ce dossier. C'est pas beau. Vous pouvez le laver là. C'est pas beau, c'est pas élégant que ce genre d'histoire se remet. Non, c'est généralement le football, c'est le football congolais. Et pourtant, non, c'est pas le football congolais. C'est comme ça. Le football, comme il est voulu, comme il est pensé par la Fédération internationale de football association, c'est quelque chose d'élégant. C'est quelque chose d'ouvert en fait. D'ouvert, accessible, où vous savez comprendre quelque chose. C'est pas une chose de ma couille, où vous faites ceci, vous faites cela. J'ai suivi Donald Bolongoy dire qu'il avait reçu l'appel de Frédéric Kitégué. Qui était derrière, tout ça. Je me dis, mais bon, c'est nos vieux, c'est des grandes personnes. Comment ils peuvent se faire de ça? Les deux là, c'est pas les toujours. C'est pour besoin de consommation dans les médias, c'est pas tout. Lui, il n'a pas imposé pour des touches de tout. Pour le droit de dire, le peu de respect que je lui devais, je lui donnerai plus ça. Je me suis dit, ben là ça va, là voilà. C'est plutôt loin. Mais dans l'ensemble, la leçon est que ce n'est pas propre et qu'ils essaient à la prochaine de nous épargner de ça. Qu'est-ce qui n'est pas propre? Ce qui n'est pas propre, c'est quoi? C'est des bonnes guerres. Ce genre de trucs, ce n'est pas seulement dans le football congolais. Ça arrive partout. Des bonnes guerres, c'est-à-dire? Non, mais attends, quand tu vois Patou Kavamou, il vient, c'est vrai, vous allez dire que ce ne sont pas les deux cas, ce sont les deux cas différents. Quand Patou Kavamou vient, quand Michel, à un moment, on a crié à ça, on a dit non, et ils n'ont pas respecté la procédure, pourquoi ils ont pu, les Kavamou sont venus s'entraîner. Et ils ont trouvé un compromis, ils ont régularisé. Mais c'est dans l'histoire, c'est Mazembe qui a toujours pris les joueurs évoluants du côté de Lopoko. On parlera des Kamouni, Tchamalengue, même Robert Kidjama. Là, c'est de bonne guerre. Le football est en train d'évoluer, le football a des normes qu'il faut respecter. Donc ça se passe plutôt bien. Si vous allez faire monter les enchères, on l'a toujours vu. On l'avait vu avec le cas Neymar, par exemple. Les grands clubs qui sont toujours derrière des pépites, des joueurs. Et comment ça se passe? C'est autour de l'argent. On ne peut pas parler de Lopoko sans pour autant parler du TP Mazembe. Mazembe, c'est vrai, on a suivi. C'est en illustration l'entraînement du TP Mazembe. Quand on parlait du dossier Dieu béni Dongala, Mazembe qui s'entraîne, qui est déjà à Futuka pour préparer la 30e édition de la Ligue nationale de football, mais aussi la Ligue des champions de la CAF. Mazembe qui est exempté du premier tour, va commencer sa compétition au deuxième tour. Mais Mazembe a libéré quand même quelques joueurs dans son effectif, notamment le capitaine Kevin Mondeko et son vice Dodi Likonda. Il y a aussi Joël Béa, son parti. Ce sont les Philippe Ndoumbi qui est sur le point de partir. Ils sont sur le point de partir. Est-ce que ces joueurs-là, on connaît leur apport dans l'effectif du TP Mazembe, est-ce que c'est facile de les remplacer? Je crois que, pour ce qui connaît, je pense que Denis Ndonga les joue dans l'axe défensif. Il est sur la latéral droit. Latéral droit. Parce que on est en train de parler aussi du probable départ du latéral droit burkinabé, Ibrahim Keïta. Mauritanien, pardon. Merci pour la. Il est trop convoité, c'est trop convoité, c'est pourquoi on a fait appel à deux venus dans la main. Le départ de Kevin Mondeko dans l'axe défensif, il y a aussi un milieu de terrain de Dodi Likonda et à l'attaque. C'est Joël Béa qui est parti. Autant que Mazembe sollicite les uns et les autres, autant il y a des gens chez lui qui sont sollicités ailleurs. C'est vrai que ça peut handicaper un peu l'axe défensif, surtout que le départ de Kevin Mondeko, moi je crois quand même qu'à moins qu'on trouve une belle pièce pour remplacer. Sinon, c'est un gars qui est plein d'expérience, qui a joué beaucoup avec Mazembe. Le laisser partir à la veille des échéances importantes comme la Ligue des Champions, c'est un peu dangereux. Mais du côté de l'axe offensif, je pense que Mazembe a plein de joueurs qui peuvent très rapidement combler les vides de Joël Béa. C'est comme le gars ici, Oscar. Il y a des jeunes gens, des petits, des Mwamba patients qui sont là. Les Kizumbi, c'est normal, ils sont en train d'arriver à terme. Ils s'engagent avec le club qu'ils veulent.
S'il pense que le Maroc, c'est une très bonne destination pour lui, tant mieux. C'est vrai, ça fait toujours mal quand les joueurs partent comme ça, mais surtout les Mauritaniens, je pense que c'est une pièce. C'est quand même une pièce parmi. C'est une perle pour les tout-puissants Mazembe. Et c'est parti, c'est à Moïse de bien jouer. S'il est convaincu par ce qu'on lui propose actuellement aux tout-puissants Mazembe, il n'ira pas. Mais s'il trouve ailleurs, c'est vrai, ils ne sont pas inamovibles, ils sont partis. Est-ce que dans le temps, ils seront remplacés valablement? C'est ce que Mazembe pense faire. C'est aussi parmi les caractéristiques des grands clubs, c'est-à-dire savoir trouver cet équilibre entre les départs et les arrivées, l'équilibre entre le côté économique et le côté sportif. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'il n'y a pas que le football. Le football actuellement, c'est cette industrie qui génère aussi de l'argent et beaucoup d'argent. Mazembe, c'est le faire. Je crois qu'économiquement, c'est le club le plus assis de la République démocratique du Congo. Sur la durabilité également, sur la durée pour le côté puissant Mazembe. Et donc, le départ de Kevin Mundeko, par exemple, le départ de Joël Béa, vous avez parlé de la côté. Ça peut influer les caisses. Mais bon, ça peut faire influer les caisses. Mais d'un point de vue à la fois sur le terrain, au niveau également de l'âme même de tout puissant Mazembe, parce que les Kevin Mundeko, c'est vraiment des enfants maison, de même que Claudie Ligonza. Claudie, par exemple, c'est quelqu'un qui est formé par rapport au tout-puissant Mazembe au point de... Non, Mazembe, ce qui est avantageux sur Mazembe, c'est que quand il libère des joueurs, quelque part, il en a pour remplacer. C'est comme ça que les Samata sont partis, c'est comme ça que les Gerber ou Salé sont partis, ils ont été remplacés par les Ben Malango, les Nathan Sinkala sont partis. Donc, Mazembe, c'est du genre d'équipe qui libère et qui a la facilité de remplacer des joueurs valablement. J'insiste, valablement. Est-ce qu'il me plaît dans le... Non, ce n'est pas parce que là, un standard économique stable. Non, Mazembe bute aussi à certaines difficultés d'ordre financier. Ce qui est impressionnant. Le gouvernement qui n'arrive pas à remettre à ce niveau. Ce qui est impressionnant. Oui, mais depuis un certain moment, Mazembe n'en parle plus aussi. On ne sait pas si le gouvernement avait déjà essayé. Mais ça, non, mais qui t'est venu jamais revenu ici pour le dire. On espère le recevoir prochainement pour essayer de parler de cette affaire. Monsieur Bati, on espère recevoir le manager du TP Mazembe. Pour qu'il vienne nous donner l'information supplémentaire. Pour nous donner l'information sur cette affaire qui opposait le tout-puissant Mazembe au gouvernement congolais quand tu as la dette que le gouvernement devait au tout-puissant Mazembe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sport d'écryptage de ce lundi 29 juillet. Vous avez eu à suivre, il y a Jean-Pierre Kadima et Joseph Bati avec des analyses très pointues concernant l'actualité sportive en République démocratique du Congo, mais au-delà aussi de nos frontières. Restez penchés sur Digital Congo. Prenez rendez-vous avec la rédaction sportive dès ce mardi dans Digital Sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.